IRL 8, on revient avec un nouveau battle. On a Slux contre Wolf. Et c'est Wolf qui commence, let's go! Slux, un talent énorme. Non, je déconne, une bonne blague. Si je te stoppe, c'est normal. Je te bute sans effort. Allez, mange, t'es mort. Scott, t'es Norman. Mais non, lui, c'est le mec qui fait genre, il prend rien au sérieux. Il vient juste un tantinet prêt. Mais ça va pas suffire face à une légende. Bon, ok, une référence du BR. Bon, ok, un élément important d'IRL. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Genre de mec qui dit à la fois qu'il perd pas, mais que vas-y, c'est normal, s'il a perdu, c'est qu'il s'en tape. Avec cette attitude, gros, jamais tu vas me killer en clash. Je suis là pour m'assurer que t'imprimes bien comme l'aperçu de la mise en page. Me tester en rap, tu meurs, te défoncer, je suis grave d'humeur. Tu vas te faire salement fumer, j'ai des faces d'enculé comme l'absuceur. Je connais pas, je pense. Pause. Ok, t'as des passages sympas, mais d'autres avis, des rimes trop faciles. Tu crois que la satire compense tes défauts d'artiste, tous tes flots basiques, même ta team comprend. Mais s'ils veulent pas dire ce qu'on pense, c'est des faux amis. Au lieu de dormir sur mes skills, mets plutôt les tiens à la page. Sans déconner, viens pas à base de blagues sur mes cheveux que j'ai entendu il y a 20 ans. Sinon, autant mettre un collégien à ta place, même s'il connaît rien, ça fera le taf. Mais non, maintenant, Snook, il est vénère, tu captes, il est venu faire du rap. Tu fais même des multisyllabiques maintenant. À tout moment, tu nous fais même une barre, tu sors le calibre 50. Bouffon, va. On dirait un mec du 4. Let's go! Mais tu restes moyen, ce soir tu dors, à la fin c'est sûr t'es mort, mais t'es un linceul sur ce corps, t'es dead, je te calme, frère, tu crois que juste parce que tu fais un peu plus d'efforts, d'un seul coup t'es fort? Quoi, tu devrais y avoir les réactions de Louvard avec tes rédactions de Loubar? Maintenant ce mec a le sommet, je le comprends à fond, parce qu'après des semaines de concentration, il élève le niveau et je marche dessus comme des semelles de compensation. Moi je découpe comme un sécateur, laisse des traces comme un cookie. Là je suis à 90% comme un dictateur, c'est indicateur, je suis venu parler à un bleu. Même si j'ai jamais été une pookie, à mesure que je prends du poids, je pèse de plus en plus. Mais jamais faut que tu oublies que mon premier battle, c'est devant plus de 100 spectateurs contre K5, K5 Ghostwriter. J'ai jamais été un rookie. Toi t'es qu'un bouffon. Pas l'insulte, le métier. Moi, dans n'importe quel style, ce que jamais n'est dope, je crois que mes couplets la testent. Toi, n'oublie jamais que si le bouffon n'est pas assez drôle, le roi peut lui couper la tête. Ok, Wolf, j'arrive à IRL, donc faire le goat, il faut que t'arrêtes. Ici, c'est moi le loup, parce que les chèvres, c'est tous les petits blancs que je peux raquette. C'est vrai ou pas? T'es à l'aise qu'à IRL, normal. Devant tes potes, tu peux faire le boss easy. Le problème, c'est que votre boss est paniqué dès qu'il sort d'ici. Je suis peiné pour Watt. Je te trouve plus au accent ton track. Parce que quand Louvard dit que tes potes font semblant de réagir à tes lines, il crie fac dans ton bac. Depuis ça, dans ta tête, c'est rempli de chants malsains. Donc tu peux venir et crier fort. Pour moi, tu restes celui qui baisse les yeux devant K5. D'ailleurs, t'as dit que tu pouvais pas regarder cette perf car c'est un battle qui t'a touché? La vérité, c'est que tu pouvais pas regarder K5 parce qu'il te rappelait ton oncle qui t'a touché. J'ai pas besoin de 15 salopes qui se réagissent, je suis un loup solitaire. Donc si tu me vois dans les meutes, c'est qu'il y a une bavure policière. Oui, monsieur. Toi, t'as peur, t'aimerais que les cops m'attrapent car ton style est banal comme le Skoda de la BAC. Pour ta protection... Pour ta protection, tu côtoies les civils toute l'année. Moi, si je ramène les cives, c'est pour te laver. Apparemment, il s'est nourri que de lyrics pour cracher ses textes. Je me fous de sa gueule, même si il avala que des rimes comme le sexe d'un mauvais battle MC. Oh, ça, c'est des barres. Wow. Tu croyais être à la hauteur, mais t'as pas le budget. Tu voulais deux tafs, mais comme à Naples, les mecs de chez moi prennent deux barres pour te fumer. Schmitt et Condé, la pêche, la cagnotte et j'en passe. J'ai fait des rounds que tu feras jamais de ta vie. Moi, c'est Wolf, je suis le premier à faire mes bars. Range ton allégresse. Donc, c'est cool, t'es le premier à faire tes bars. Moi, j'y mets le contexte pour être le seul à les faire. Okay. Parce que ta prose, elle dit R, elle schlingue. Je t'aplatis comme ta coupe d'IRL 5. Je mets la barre haut devant tes gars. Toi, tu mets le bar au Kaneya. Alors que t'as le flow de Kev Adam sous cortisone. Alors que t'as le flow de Kev Adam sous cortisone. Tu veux faire le mec speed en rap, mais de ton charisme, ton corps s'isole. T'as un corps à avoir des hamsters, des souris. On dirait que t'as appliqué à la lettre le dicton rien ne sert de courir. Go.
Je dis ça parce que vous êtes faible alors que vous croyez être béni. Pour vous, IRL, c'est trop cosy. Vous voulez pas faire loire meuble, donc vous y envoyez vos sosies. Au final, pour arriver à ton niveau pitoyable, t'as taffé pendant des heures le soir. Alors vous pouvez continuer à parler de rap comme si vous allez tout casser. Mais tu veux savoir pourquoi je suis meilleur que toi? Parce que j'ai rappé avant de battle, t'as attendu de battle pour rapper. Time. Hey, t'as attendu de battle pour rapper, j'ai pas attendu, je sais pas quoi. Petit con, explique-moi surtout dans ce cas-là, qu'est-ce que t'attends pour devenir bon? IRL, le game on plie facile, l'igarchie qualitative, on s'active, fini de blague et maintenant je m'applique, n'importe qui réplique, ça part en hat-trick, rap skills, pas de skip, qui t'a tiré dessus comme B.I.G, maintenant j'arrive, zen de fou comme Maxime, facile. Ok, Slook, je suis moins strict que toi, je vais pas faire le mytho contre Steep. Je m'en fous si t'as 10 000 copains en cellule et que tu leur envoies la force comme une mitochondrie ou des midi-chloriens. Me parle pas de tes mitophonies pour embrouiller les flics. Pour moi, y'a que ton micro pourri qui peut brouiller les pistes. T'as jamais subi de défaite aussi nette. Quand je kick t'as au direct, toi tu te baladais en ville, en trottinette, tranquille, puis t'allais servir tes Yankees en mobilette. Mais tout ce que tu peux te payer grâce à la Bicraft, c'est des pasta box à Franprix ou des grandes frites au McDo, pas le Grand Prix de Monaco. À l'époque, dans la tête, jamais il sort sans casquette, Gucci sur la tête, plus la sacoche Lacoste dans laquelle se trouvent 2-3 clopes, quelques pièces, s'y joint dans une boîte, comme dans un mail. Si vous pensez que lui et ses collections suspects, petite correction sur le fait, il a les plugs, les collections. Ouais, pour sa collection de survêtes. T'as pas non plus la vie de Pablo, t'es aussi important pour le rap que Kanye pour la peinture. À l'école, tu prenais vite plein de mots dans ton cahier, t'étais un dur. Avoue que, quand t'as battu Black Belt, c'est la première fois que tu gagnais contre une ceinture. Slooks, c'est quoi cette blase, mon gars? Bon, moi j'en connais l'origine et clairement y a rien de fou, mais j'imagine que toi t'as l'habitude qu'on te demande ça vient d'où? Vous connaissez pas les bonnes de France? Bon, j'ai un gun tellement grand. J'ai un joint tellement grand. L'habitude. Il est énorme. Je pense que j'y ai mis un peu moins d'une tonne. C'est le record mondial. De long, la drogue dedans coûte au moins 10 Porsche. Pour l'allumer, j'ai besoin d'une torche. Longueur infinie, j'ai pas de limite artistique, jamais même en 10 vies, j'arrive à le finir. It is what it is. Cela va de soi, qui va pas de là à de là, il va d'ici à ici. Ils connaissent pas non plus les banlieues de Paris. Bon, c'est pas... Contre moi, partir à la guerre, c'est fort peu propice. Risque fort de body au replay. Les gens vont skip ce wack devant ce conscrit. Je gagne même si on skip le bac. J'amène des branches de folie. Faut qu'ils reconnaissent la défaite comme jamais le poste de police. Quand mon style le bat. Je suis au top, je base bonhomme, large, je suis low dog, gros, je conne sale, j'ai de trop bonnes faces, je pourrais être humoriste, j'arrive drôle comme H. Mais avec la technique, contrairement à toi ou à ton bouc de taf, entre toi et moi, il y a un profond gouffre que tu ne contournes pas. C'est pas un concours de blagues, mais un long cours de rap. Entre toi, enfin, c'est pas un concours de blagues, mais un long cours de rap. Je suis trop bon pour après mon tour, jamais on doute que je gagne. Time. Go! Bluffer, c'est le verlan de faible. Timar, c'est le verlan de Marty. Wolf, c'est le verlan de Flo. Toyeka, c'est le verlan de fils de pute. Tout le monde veut voir ce perdant. Avoir vos blases, on dirait que vous avez appris votre verlan-verlance. Apparemment, je suis pas favori. Et dans mon bac, j'ai l'équipe 2. Vous, vous aimez parler de foot grave, mais l'équipe 2 lance bas personne, contrairement à ton équipe de poucave. Donc j'arrive et je pète à ce pot de colle. Je retourne ton équipe comme vous retournez vos blazes. Je laisse les tâches au sol. À IRL, ramenez Slux, tu lâches un ouf comme si tu soupirais. Je t'étouffe et je sors. Je te comprendrai jamais car c'est ouf ce que t'aimes chez tous tes potes. J'encule tes gun bars, je te fais les poches. Tu peux même appeler plein de keufs, mais si je mets le loup à l'envers, ça devient une poule. Et là, t'auras une bonne raison de cacher un œuf. Le pire, c'est que dans ton blaze, il y a une faute d'orthographe, mais t'abdiques pas. Et en soi, je me fous que ton blaze est trop def comme Béné le samedi soir. Parce que tu t'es présenté en tant que Wolf, au gars. Ils ont dit Wolf, au gars. Mais tu ferais rien sans ta petite maman, oui, ça promet. Déjà, sans elle, tu passerais de 9 à 8 abonnés. Donc, Wolf, sans elle, ça fait ouf, comme Limsa dans le nez.
Avoir un blaze en verlan pour faire rappeur, tu voulais paraître crédible, c'était rare. Maintenant tout le monde se taira, moi je paiera partout, même dans le train, toi y'a que mon train que tu paieras. 30 piges avec une dégaine de puceau, c'est pas de peau. Quand tu dis je capte une techa, c'est que t'appelles Vratko. Oh. Mais un jour, t'as rencontré une meuf sur internet. T'as dit à Neya, poteau c'est frais. Tu lui as proposé de lui envoyer une photo, elle t'a répondu yep. Tu lui as envoyé une photo de tes pieds. Donc pour l'ego dans ce match, c'est moi la diff. On est à IRL, donc toi pour les P chauds, tu comptes sur la manif. T'es un pro dans le malaxage de balls. Moi, pour commettre un abattage précoce, j'emmène ta nana, tes gosses, à Palavas les Wolves. Et on m'a dit que j'étais trop vulgaire. Pourtant, je le suis pas. Toi, t'es vite las deg. Donc si j'abrège maintenant, c'est le verlan de nique ta mère. Refaire ton style, comme dirait l'autre, pour moi, c'est trop facile. Tu mérites même pas de me battle, je te traumatise. Vous avez que des vers lents, moi j'ai des flots rapides. Au final, ta créativité c'est de montrer comment tu retournes ton blaze. Prochain round, je te montre comment ton destin se retourne contre toi. Et c'est pas fini les gars, une dernière. Et de m'envoyer le hagar, c'est pas bien. En vrai, si, c'est malin. Vous avez que des blazes en verlan et ça se tient parce que 1-4 en verlan, ça fait 4-1. Taille. Franchement, c'était chaud, non? Cool. C'était chaud. Mais tu te moques de mon blaze en verlan. Flo, Wolf, t'aurais préféré que je m'appelle comment? Flux. Franchement, égalité overtime. Hein. On renomme le battle. Dans le BR, les mecs nuls pullulent. Nous, on œuvre pour la culture, on prépare le futur. Toi, le futulu. Tu vas détaler ce soir parce que devant moi les wax bar, je suis chez WAM, je suis à la ragba. Il te reste pas d'espoir, tu vas devoir prier, tu vas crier, mais je vais t'éliminer. Ouais, quand je mets des fins de ces carrés, crois-moi. Moi, crois-le ou non, j'ai déjà pris des balles pour mes gars. Et même si je m'en sors intact, les dégâts du tir, j'en ai senti fort l'impact. Parce que quand je vais en défense, c'est mort, rien ne passe. Toi, t'es plus. Maillot CR7, tu vas au stade et tu te prends pour cri-cri, tu tentes des gris-gris, jamais tu lâches ton ballon, ça lance des cris graves aigus quand tu rates des buts donnés. Moi j'ai rapi pour cogner, ich, tranquillement je les tripes. Avec Snook ça fait cri-cri quand il mange des frites. C'est le bruit de cet idiot quand il tente des dribbles. Ouais. Lui, ses potes vont taper un bon foot. Il transpire à la deuxième minute. Seconde 12. Un 1er décembre, il est cramé. Pas de second souffle. Rien ne renaît descendre. Ses potes, jamais il leur fait descendre. Ils tentent tous plein de gestes super techniques. Pendant tout le match, il y a un mec dans leur équipe qui passe son temps à crier « Revenez défendre !» Et il y a ton... Et après, il y a ton pote qui t'embrouille. Parce que toi, tu lui as dit « Ah frère, je t'ai pas vu, voilà. » Il était en face de toi. Petit con, t'abuses. Tu peux pas dire que tu l'as pas vu, tu lui as mis un petit pont. Moi, je prends ton équipe à Montélimar avec vous dessus, un Mercurial Vapor. Je défonce cette bande de débiles, la séquence j'ai décrit. J'arrive, facile, je place, flip-flap, vite, je passe entre les lignes, zigzag, quand je les dribble, je m'applique, frappe entre les tirs, hyper fort, comme anti-char, la défense est détruite. Matt, comment c'est technique? Franchement, t'es cuit là. T'es qui là? Heineken, j'ai pas le temps de niaiser, plus time de rigoler, je suis high, mais je m'y connais, retour au bail de pistolet. Métal dans tes dents et y'a ton blast dessus comme I need money. Oh. Vous inquiétez, hop, les gars, je viens là, je fais là. Hey, Wolf, qui va faire tes gun bars? Elle lèche mes balls, moi, contrairement à toi, au moins je lâche mes balles. Fuck faire des pompes, je sors le pompe à choisir, la situation va noircir. Et même si tu cours, c'est inutile, dès lors que la balle va toujours plus vite que l'homme. Là, je suis sur mon là, je vois shit. On n'est pas pareil, tu distribues des body balls, moi des body bags. Il faut des jokes, il faut des bars, fini ces faux débats. De toute façon, frérot, je t'ai déjà distancé avant le premier coup de feu, sauf que c'est pas un faux départ. Le loup voulait se refaire les crocs. Et sous sa mort sur ce look s'écrase, t'avais perdu avant de commencer, gros. Gun bars ou blague, t'es mort sur toutes mes phases. Time. Pour ce battle, pas de mauvaise prépa, pas de désintérêt.
Aujourd'hui, son texte est dans ma tête. Si je bois, c'est pour lui montrer que le désastre est vrai. Donc on t'a choisi comme mon adversaire. Si t'es vraiment ce que tu prétends être, tu devrais savoir que t'es pas un obstacle, mais un faire-valoir. Parce que tu voulais partir à l'attaque dans la baraque Adams. Aucun assaut de votre part, vous avez pas la tête pas. Alors que moi, je prends n'importe qui du 4 à la bagarre. J'ai même pas besoin de rapper, juste à la dégaine, on voit c'est qui le tapeur. Donc si un inconnu tombe sur ça, il sait déjà c'est qui le rappeur. Et vous allez me dire que je peux pas faire rimer c'est qui le tapeur avec c'est qui le rappeur. Alors que lui fait rimer Luxembourg avec Luxembourg. Le pire, c'est que t'as reproché à Crapaud son schéma sur le Kamehameha. Alors que toi, t'as dit, je te hache comme un arabe qui rit. Waouh, je me demande vraiment par quoi ça peut finir. D'ailleurs, t'as eu l'impression d'avoir vu Crapaud partout comme un drapeau de l'Algérie. Mais j'ai déjà vu cette face partout comme un drapeau de l'Algérie. Mais t'as dit aussi, je suis extraordinaire, t'es ultra-ordinaire. Bah là, aucune réaction, les gens ont compris que tu les as douillés. Donc j'ai hésité à la reprendre, comme une phase où t'as bafouillé. Et t'as dit à Bénéfique, ton petit déj c'est un barbecue, puis t'as de la barbe au cul. C'est vrai. Ton petit déj c'est un barbecue, puis t'as de la barbe au cul. Ok, Black Belt, avec ça... Ok, Black Belt, avec ça, t'impressionnes qui même? Tu viens faire le goat sur scène pour nous sortir des phases dignes d'un primaire. Donc il n'y ait pas G-Doc D4, je peux y croire. Car si Neya écrit pas pour toi, bah tu perds contre Wisdom et Timar. Et t'aimes changer les sous-titres de tes adversaires? Genre tu sais où placer les coups? Je vais laisser des fautes d'orthographe exprès pour te casser les couilles. Bref. T'as dit à Timar que t'allais le faire monter, que t'allais le pousser sur le toit. Résultat, il est tout en bas de la carte, donc je crois que tu te trompes, le gros. Je peux aussi te pousser sur le toit, mais si je le fais, c'est pour que tu tombes de haut. Au final, tu vis pour le BR, gros. T'en as saoulé ta mif. Je viens de l'éteindre avec ses propres phases. C'est le pire couplet de ma vie. Let's go. Tes potes te donnent tout le temps gagnant, même quand tu te fais body bag. Mais là, ils... Ah putain, excusez-moi, je la refais. Tes potes te donnent tout le temps gagnant, même quand tu te fais body bag. Mais je suis la cause d'une blessure, parce qu'avec ce round, ils auront aucune excuse. Donc fais pas le show, sinon je te fais redescendre direct. Hey yo, Timar, c'est comme ça qu'on parle à une petite merde. Let's go! Let's go! Let's go!